c'est hors du temps, quoi. On est hors temps, hors espace un peu aussi. Ici, on sent le passé très fort. On sent tous ces gens qui ont aimé, qui ont souffert, qui ont vécu, qui ne sont plus de ce monde. Voilà, ils ont laissé des traces sur ces murs. Moi, je le ressens en tout cas. Et chanter aujourd'hui, poser un petit peu mon empreinte. Je taille pas la pierre, je taille plus le son. Ça paraît plus éphémère, mais je pense que tout ce qui est fait dans le réel, dans le présent, reste pour l'éternité, j'ai l'impression. Au-delà des pierres, un podcast RCF réalisé par Lucie Bavrel. Épisode 5, la cathédrale à Saint-Hugues-du-Halle de Tréguier. Ça, c'est une guerce interprétée par l'artiste breton Dénès au cœur de la cathédrale Saint-Hugues-du-Halle de Tréguier. Mais ça arrive plus tard dans l'épisode. C'est pour vous donner envie de rester. On revient au début. Chers voyageurs, je vous rappelle que vous avez pris place à bord du TGV 5386 à destination de Rennes. Un peu moins au début. Allô, oui, bonjour, c'est Dénès. Oui, je suis à la porte en fait, de la ville. En fait. Encore un peu moins. Vous allez bien ? Oui, très bien. Oui. Désolé, je vous attendais de l'autre côté. Oui, moi c'est là, d'habitude que je vais. Je n'ai pas compris. Oui, le port de plaisance. Voilà, c'est ici que ça commence vraiment. Devant la porte de Tréguier, dans les Côtes d'Armor, avec Dénès Prigent. Sur scène, c'est Dénès tout court. Il est auteur, compositeur, interprète et il parcourt les scènes de Bretagne et du monde entier depuis près de 35 ans. En 2001, son titre « Gortoz Aran » figure même dans la bande originale du film « La chute du faucon noir » de Ridley Scott. Dénès écrit donc des guerces, ces chants bretons, souvent dramatiques, toujours poétiques. Il vient d'ailleurs de publier un recueil de 136 poèmes en breton et en français, Guers Dénès. Et c'est lui qui a choisi de nous emmener à Tréguier. Ici, c'est joli de passer cette porte. Oui, vous avez bien fait. Elle est magnifique, ça c'est l'ancienne porte de la ville. La pluie est là pour mettre en valeur la couleur de la pierre. C'est un beau granit brun des côtes du pays du Trégor. Alors vous connaissez déjà la cathédrale, vous êtes déjà venu chanter dans cette cathédrale? Oui, je pars régulièrement à Tréguier, mais j'y passe de temps en temps, parce que c'est une très belle ville déjà. Et puis, donc en tant que chanteur, j'ai eu l'occasion de chanter une fois, effectivement, dans la cathédrale. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans le fait de chanter dans des lieux sacrés? Ben moi, j'ai une forme de chant, déjà, c'est la guerce, donc c'est une forme de chant très ancienne, dont la plus ancienne est attesté du 5e siècle. Et donc c'est un chant qui remonte à la nuit des temps. Et c'est vrai que quand on chante dans ces lieux-là, les guerres, donc ils sont quand même des chants empreints de ferveur et de sacré. Donc il y a une relation qui se fait naturellement avec ce genre de lieu. Le chant envahit l'espace de la nef ou de l'église. Et c'est vrai qu'il y a une osmose qui se crée immédiatement. Le chant va visiter chaque coin et je pense même qu'il y a... Il réveille même ce chant un petit peu les vitraux, il réveille un peu ses murs. Et c'est vrai que la guerre également, elle parle souvent... elle fait souvent référence à des figures chrétiennes ou druidiques aussi. C'est ça qui m'intéresse, c'est ce syncrétisme entre chrétienté et druidisme. Puisque les chrétiens, quand ils sont venus évangéliser la Bretagne, ils n'y sont pas allés par la force, comme ça peut être le cas ailleurs. Ici, il y avait une telle ferveur par rapport à l'ancienne religion qu'ils se sont dit, ici, on ne va pas forcer, ça ne servira à rien. La guerre parle très souvent de tragédie, hein, de meurtre, d'épidémie, de famine, de naufrage, d'événements tragiques qui ont touché une large communauté à une époque. Et donc le thème de la mort, en tout cas, il est omniprésent. Et c'est ce qui en fait, je pense, un chant atemporel et universel qui se prête encore tout à fait dans ces... un peu comme les cantiques, qui se prêtent tout à fait à être interprétés dans des lieux sacrés comme cela.
Là, on arrive sur la place devant la cathédrale. Qu'est-ce qui en émane pour vous, là, quand on est sur ce parvis au pied de la cathédrale? Alors déjà, sans vouloir être chauvin, mais vous savez, tout à l'heure, je parlais encore de la pierre. Mais... Ah oui, vous allez l'entendre. Ce qui est passionnant avec Dénès, c'est qu'on est autant au-delà qu'au-dedans des pierres. Déjà, quand on regarde les sculptures en granit, là, les trilobés, les gargouilles, les rosaces, etc., on se dit qu'il y a quand même un pari sur la pierre qui est extraordinaire. Parce qu'il faut savoir que tailler le granit, c'est surtout qu'à l'époque, ils n'avaient pas des petits marteaux-piqueurs comme ils ont maintenant pour faire les restaurations. À l'époque, ils faisaient tout à main nue. Et c'est vrai, c'est une gageure. Quoi. Tailler de la pierre, d'une pierre aussi dure, une des plus dures au monde, et faire de tels détails, faire de telles prouesses esthétiques, ça relève un peu du miracle. Parce que si on regarde par exemple cette rosace en granit, elle a une autre portée quand même que si cette même rosace avait été faite dans une pierre de tuffeau. Une pierre de tuffeau, c'est de la craie, un petit peu, ça se taille assez facilement. Mais là, il y a vraiment un pari sur la pierre. Quoi. Il y a un pari finalement de l'homme sur la nature âpre. Ça, c'est ce qui me plaît en Bretagne aussi. Je ne veux pas ironiser sur la pluie bretonne, mais on commence à être vraiment très mouillé. Oui. Et je crois que Adélaïde nous attend à l'entrée. Adélaïde Manchon, elle est la déléguée pastorale Bonjour. De Trégues. Bonjour Lucie. Adélaïde. Enchantée. Bonjour. Je vous présente Dénès. Et soudain, Dénès croise une connaissance. Je disais que la dernière fois que je suis allé chanter ici, il y a une personne qui était amie d'un de nos musiciens qui est venu me voir après dans la loge et qui m'a dit, il était assez âgé, et qui m'a dit que son père avait servi, le visage de son père avait servi pour la sculpture de Saint-Yves. Ouais. Et c'est étonnant. Un joli visage, parce que le résultat est très beau. Il me disait qu'à chaque fois il vient ici à Trégues, il regarde le visage de Saint-Yves, il voit le visage de son père. C'est beau, hein? Merci Léon, c'est beau. Au revoir. Merci. Alors Adélaïde, est-ce que vous pouvez nous raconter à quoi ressemble cette entrée-là quand on passe les portes de la cathédrale Saint-Hugues-du-Halle? Alors, en fait, quand on passe les portes, on est tout de suite attiré par les deux saints, Saint-Hugues-du-Halle à droite et Saint-Yves à gauche, qui sont en fait les saints patrons de la cathédrale. Pourquoi Saint-Hugues-du-Halle et pourquoi Saint-Yves? Donc Saint-Hugues-du-Halle est arrivé au VIe siècle. Il vient du pays de Galles avec sa mère et des moines qui l'ont accompagné en 520. Et il fonda le Val Trégor. Donc c'était au départ c'était qu'un monastère en fait, c'était le monastère des Trois en Rivière, donc on appelait le monastère le Landreguer, et qui est devenu qui en français fait Tréguier. Donc c'est lui qui a été à la fondation de Tréguier. Et en 880, les envahisseurs normands ont tout détruit le monastère, et il a fallu attendre 100 ans avant de reconstruire la cathédrale. Donc elle a été reconstruite en mode gothique et non plus en mode roman, en fait. Ouais. Et de cette cathédrale-là, il ne reste que la tour Astigne. On voit que c'est roman, là. Ouais, c'est vrai, on voit les voûtes sont des demi-cercles, en fait. On n'est plus dans l'arc brisé qu'on trouve en gothique. Ouais. Ça a tout de suite été un lieu de pèlerinage, Tréguier. Donc c'était un lieu de pèlerinage pour Saint-Hugues-du-Halle et pour Saint-Yves. C'est pour ça qu'en fait la cathédrale est énorme. Et Saint-Yves, lui, est né et mort dans le pays de Tréguier. Il fut prêtre et officiel, c'est un juriste religieux. Il est canonisé en 1347 après une grande enquête menée auprès de la population bretonne. Il est le saint patron des prêtres bretons et l'avocat des pauvres. D'ailleurs, on l'observe dès l'entrée dans la cathédrale. Donc on le voit ici, là, entre le pauvre et le riche. Et une histoire un peu amusante, je dirais. C'est qu'en fait, le riche vient se plaindre à Saint-Yves. Cet homme-là a humé les parfums de ma cuisine. Et c'est quand même scandaleux, il faut le punir. Alors Saint-Yves lance une pièce en l'air qui trébuche par terre et il dit à l'homme riche: tu as entendu le son de cette pièce, tu es payé. C'est très beau. C'est vrai, dans le Trégor on parle beaucoup de Saint-Yves, c'est vraiment
le saint, vraiment le saint dont on parle le plus, c'est Saint-Yves. Il y avait même, moi ça m'a inspiré une Gouers. Autrefois, il y avait une telle ferveur ici, dans les pardons ou dans les messes. On chantait tellement le cantique de Saint-Yves, même les gens le chantaient chez eux. C'est un cantique qu'ils chantaient chez eux dans leur jardin, que les merles l'apprenaient par cœur. Et les merles, parfois, ils parcouraient quelques kilomètres, ils se posaient sur un buisson, ils chantaient le cantique de Saint-Yves. Et il y avait un jeu comme ça entre les gens pour savoir lequel merle irait plus loin dans les couplets. Voilà, ouais. Bon, on va sûrement l'entendre parce que les cloches le chantent aussi. Saint-Yves, notre Père, toi que nous implorons, écoute nos prières et guéris tes Bretons. Voilà, c'est ça. Le tombeau de Saint-Yves est ici. On peut le voir si vous voulez. Et il est majestueux. Donc là, on va aller dans la chapelle du duc Jean V. Jean V, duc de Bretagne, qui a été enlevé et fait prisonnier en 1420. À ce moment-là, il a juré d'offrir, s'il s'en sortait, son poids en argent pour réédifier le tombeau de Saint-Yves, en précisant au passage qu'il voulait reposer à ses côtés, ce qui fut fait. Donc c'est un tombeau qui est assez complexe. Je pense que beaucoup auraient voulu avoir un tombeau un peu plus sobre, parce que ça ne représente pas Saint-Yves. Saint-Yves, c'était la sobriété même. Mais en fait, dans tous les personnages qui sont autour, ce sont des représentations de saints ou de personnes qui étaient familières à Saint-Yves. Donc c'est un honneur à tout ce monde en fait, qui l'entourait. Ce n'est pas une pierre du pays. C'est une pierre de Conflans-Sainte-Honorine. Voilà. C'est pour ça qu'elle est très détaillée. C'est beaucoup plus facile de la sculpter. Ouais. On voit bien tous les petits détails. Non, granit, vous pouvez pas faire ça, non. Mais c'est très beau, justement. Notre regard est porté, comme elle est blanche, notre regard est porté, parce qu'elle contraste bien avec le côté sombre du granit. Hein. Il y a un côté un petit peu angélique qui émane un peu de ce tombeau. On va à la chapelle de Saint-Joseph. C'est une chapelle, moi. Elle abrite les reliques de Saint-Hugues du Halles. Mais sinon, elle a une autre particularité, c'est qu'elle a, c'est un des rares endroits où il y a un vitrail sur le mariage de Marie et de Joseph. Et au-dessus, dans les trilobes, là, vous avez les deux trilobes, et vous avez les instruments de Joseph représentés. Le plus ancien, ce vitrail. C'est le plus ancien, ce vitrail. Très beau, hein. Il est de 1884. Ouais. C'est un des seuls qui n'a pas été abîmé. Ouais. J'ai l'impression qu'on voit la cathédrale derrière, au fond. Là, on voit la cathédrale. Ah, ouais, vraiment, elle est faite en grisaille. Elle est vraiment très, très précise. On dirait vraiment un tableau, presque une photo. Ouais, c'est vrai. Petite chapelle aussi, là, avec les vitraux de la patriotique. C'est assez rare de voir ça dans les églises. Enfin, j'ai l'impression que dans le Trégor, il y en a quand même quelques-unes qui ont au moins un vitrail patriotique. Mais là, ici, nous en avons trois. On va peut-être s'approcher. Donc, représentant la Première Guerre mondiale. De voir des avions dans des vitraux. Oui, c'est extraordinaire. Ouais. Ouais. Alors, celui de gauche représente la guerre des tranchées. Vous avez donc un jeune soldat qui est secouru par un soldat de la Croix-Rouge. Donc il a une croix, donc sûrement il était l'aumônier de l'armée. Donc le jeune soldat meurt et il est reçu par Saint-Yves pour aller au ciel. Ouais, on voit le canon aussi. Là aussi, la subtilité de la réalisation des visages. Vous parlez d'une photo tout à l'heure. Là aussi, il y a quelque chose de presque photogénique dans les visages. Aussi, le jeu de lumière là, du rayon de soleil qui éclaire le jeune soldat. C'est assez incroyable. Hein.
Souvent, je compare un petit peu la foi, quelque part, un peu comme le vitrail ici. Chaque vitraux sont séparés, en fait. Il y a des pièces de vitraux. Chacune, c'est peut-être une religion, une croyance, alors. Voilà, une personne. Ouais. Mais quand on les met tous ensemble, ils forment une figure. Ouais. Et celui qui le réveille, derrière, c'est le soleil. Ouais. Et le soleil, c'est Dieu pour moi. Quel est votre endroit préféré, Adélaïde, ici, dans cette cathédrale? Est-ce qu'il y a un endroit dans lequel vous vous sentez le mieux? En fait, le dimanche, quand je viens à la messe, je me mets toujours dans le cœur, parce que je trouve que ça rappelle un peu tous les moines qui étaient là, de la façon, et c'est beaucoup plus calme, c'est plus, on a l'impression d'être plus au proche de la cérémonie, c'est pour ça que j'aime bien me mettre dans le cœur. Alors justement dans le cœur, il y a deux choses qui sont importantes aussi là que je vous montre. Quelle transition. vous avez le pavillon jaune et rouge là qui est ici là, à gauche du tabernacle là, qui sert à protéger les présidents de cérémonie pour la Saint-Yves ou quand le prêtre emmène le Saint-Sacrement à la petite chapelle le Vendredi Saint. Et puis le tintinnabule, qui sont les deux éléments qui permettent de justifier que la cathédrale est une basilique mineure. Et effectivement, c'est en 1947 que le futur pape Jean XXIII est venu à Tréguier pour fêter le 6e centenaire de la canonisation de Saint-Yves. Faut refermer la porte. Là, on voit bien que cette porte est à l'extérieur, vous voyez, parce qu'il y a un larmier là. Et c'est là, quoi un larmier? Le larmier, c'est justement la personne venait là, et la pluie, il était à l'abri en fait de la pluie, parce que la pluie tombait là comme ça. C'est comme une gouttière en fait, elle ruisselait le long du larmier où elle tombait là, et d'où le terme de larmier, puisque voilà, la pluie qui tombait en petites gouttes comme ça faisait penser à des larmes en fait. Alors ça, on trouve ça, c'est une constante dans l'architecture gothique, mais on en trouve beaucoup en Bretagne. Et c'est juste à côté de la sacristie. Dénès s'en souvient parce que quand il est venu chanter ici, c'était sa loge. Une loge de luxe. C'est l'une des plus belles que j'ai pu avoir. Chaque fois que je vais dans les églises, on me met dans la sacristie avec mes musiciens. D'ailleurs, je me rappelle, on avait répété dans cette sacristie. On a l'impression d'être un peu privilégié, du coup, c'est sûr. Ben là, en fait, il y a pas mal de statues de saints ou d'évêques hein, en tenue, Marie. Il y a toutes les statues pour lesquelles on n'a pas trouvé de place à l'intérieur de la cathédrale. Oui, toutes les époques se mélangent. Moi, j'aime bien. Mais il y en a des très anciennes et puis des plus récentes en plâtre, en bois, en pierre. J'ai l'impression d'être dans un grenier de luxe. Voilà, c'est ça. Parce que là, il y a aussi tous les ciboires aussi. On avance. Les calices, c'est les trésors de la paroisse, là, ici. Et là, il y a ce meuble qui doit faire, dont les tiroirs doivent faire presque 4 mètres, non? C'est incroyable, hein? C'est pour mettre des bannières, c'est ça? Non, tire fort. Parce qu'en fait, c'est un seul tiroir, en fait. Il est en demi-cercle. Vas-y, essaye. Directement, ça s'ouvre. Ouais. En fait, ça pivote sur un axe au centre du meuble. Hein. Et effectivement, ça, c'est pour abriter les chasubles des prêtres. Je vous avais dit qu'on écouterait Dénès chanter. Est-ce que vous avez déjà en tête ce que vous voulez chanter là? Je peux chanter une guerre traditionnelle qui m'a beaucoup inspiré dans mes compositions après. C'est un peu une guerre de référence. Donc c'est la guerre d'Iwan Gamus. Voilà, il est assis sur une pierre blanche au bord du chemin et il attend que sa sœur rentre de Saint-Gelven et son nez se met à couler
ses oreilles à bourdonner. Et là, il sait, c'est ce qu'on appelle en Bretagne un intersigne. C'est un présage de mort. Et il sent que quelque chose, voilà, qu'un malheur va arriver. Sa sœur arrive et il demande, voilà, que s'est-il passé à Saint-Gelvin, d'où vous revenez. Et sa sœur lui répond de bien tristes nouvelles, puisque votre plus aimée, comme on dit en breton, est morte. Elle est enterrée. Et lui, quand il va à Saint-Gelvin, il va prier sur sa tombe et il demande à son père et à sa mère, père, mère, vous qui m'aimez, voilà, enterrez-moi auprès de ma plus aimée, de ma bien-aimée. Enterrez-moi dans la même tombe, puisque nous n'avons pas été dans le même lit. Et nous serons mariés par Dieu, puisque le prêtre ne l'a pas fait. Et pourquoi elle vous touche particulièrement, cette Gwers? Parce que là, on est vraiment dans tous les on a pratiquement tous les archétypes, un grand nombre d'archétypes qu'on a dans la Gwers. La Gwers est une forme d'un art très codifié, avec un narrateur, très souvent au début, ou qui vient de façon intermittente à l'intérieur du chant, pour présenter une nouvelle scène. Et c'est très vite deux points, ouvrir des guillemets, avec un dialogue. Donc ça, ce côté très vivant que l'on a dans la guerre, ce côté vrai, comme je disais tout à l'heure, voilà, vient de ce côté, du fait que c'est très souvent des dialogues, des gens qui parlent, je, plutôt que il. Et donc ça, on est vraiment transporté dans cette histoire de ce fait-là. Ouais. On est souvent parmi les personnages, comme si on était une troisième personne qui assistait à à une conversation, par exemple. Et c'est toujours des choses graves sur la mort, comme on peut voir, mais toujours une espérance à la fin. Voilà, toujours une fenêtre qui s'ouvre à la fin. Voilà, donc l'espoir, la mort est là, mais il y a toujours un au-delà et une vie éternelle. Et cornebes et aulinas, razik et galon et wellas. Ma et marma, Binetariet, wele marha binetariet, manekegret, ogredanes, karbir vikenes inermes, vivo. C'est super, hein, vraiment, t'as une voix profonde, hein, c'est beau, hein, t'as pas besoin de micro, toi. Hein. Ça vous a fait quoi? Vous avez ressenti quoi de chanter face en plein cœur de la cathédrale? C'est un privilège, hein, déjà, de chanter dans une église, un lieu ancien comme ça, un lieu empreint d'une grande spiritualité, un lieu où beaucoup de monde sont venus prier, où beaucoup de vœux ont été exaucés. Il suffit de voir tous les ex-voto tout à l'heure de remerciements devant le tombeau, le magnifique tombeau de Saint-Yves. Donc c'est un lieu ici où on est, c'est hors du temps, quoi. On est hors temps, hors espace un peu aussi. Ici on sent le passé très fort. On sent tous ces gens qui ont eu des vies entières, voilà, qui ont aimé, qui ont souffert, qui ont vécu, qui ne sont plus de ce monde. Voilà, ils ont laissé des traces sur ces murs, moi je le ressens en tout cas, et chanter aujourd'hui, poser un petit peu mon empreinte, voilà,
je taille pas la pierre, je taille plus le son. Ça paraît plus éphémère, mais je pense que tout ce qui est fait dans le réel, dans le présent, reste pour l'éternité, j'ai l'impression. Et je pense que dans un autre espace, tout ce que nous faisons ici sur Terre est s'y inscrit pour toujours. Écoutez Au-delà des pierres, un podcast original produit par RCF. Pour découvrir les secrets d'autres trésors du patrimoine sacré, rendez-vous sur le site rcf.fr ou sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à faire connaître le podcast autour de vous en le commentant, le partageant ou en laissant un avis sur les plateformes. Et puis, il y a aussi les autres podcasts RCF. L'art, une affaire d'homme, le podcast sur les femmes dans la peinture, Marche ou rêve, le podcast des personnalités transformées par la marche. Ou Quand je serai grand, les histoires fabuleuses des grands explorateurs. Bonne écoute et à bientôt pour un nouveau voyage au-delà des pierres.